Salut, c'est Strater! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans! Et oui, on continue la série. Pourquoi? Parce que je me devais d'analyser rapidement ce patch qui vient de sortir. Et oui, comme je l'ai dit précédemment, il est énorme et il change vraiment la donne. Oui, dès qu'on parle de beaucoup de changements, et il y en a énormément dans ce patch, eh bien, je peux vous dire que les cartes sont redistribuées. Et on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc beaucoup de choses à changer dans votre façon de jouer. Alors dans cette vidéo, on va s'organiser tellement les changements sont importants. On va commencer par le général qui concerne tout le monde, quel que soit le niveau de votre hôtel de ville. Et on commencera à parler des changements qui concernent les petits hôtels de ville jusqu'au dernier, l'HDV11, avec les changements qui ne concernent que lui. Bon, commençons par le général. Alors le général, il y a beaucoup de petits boutons qui ont été améliorés. Ici, on parle de stratégie, on a envie de roxer, on a envie de tout défoncer. Donc on va un petit peu passer dessus, c'est super agréable. Bravo Supercell, merci encore d'avoir amélioré toute l'ergonomie. Mais on s'en branle dans mes vidéos, puisqu'on vient chercher la source du pouvoir. Voilà, passons dessus. Cependant, j'ai quand même envie de faire une petite remarque au passage. Je pense qu'à mon avis, Clash of Clans est en train de péricliter. C'est-à-dire, il n'est plus à l'apogée. Le jeu est un petit peu en train de descendre. Je dis ça parce qu'il y a trois petites sources d'informations qui, moi, me font dire que c'était un petit peu en baisse. 1. Ils ont enlevé les guerres à 35 et à 45. Genre un petit peu pour qu'on se regroupe, pour que les temps de recherche soient moins longs. Donc c'est cool pour nous. Mais ça veut dire que le jeu est un petit peu moins populaire. Deuxième chose qui me fait dire cela, ils ont réduit la préparation pour les sorts violets et pour les sorts noirs. Ça, généralement, quand on facilite le jeu, c'est qu'on a envie de moins faire chier les joueurs. Et troisième chose, c'est qu'ils ont officiellement annoncé qu'ils pensaient peut-être réduire le temps de préparation de certaines troupes, voire encore des sorts, etc. Ou même des bâtiments ou des recherches. Bon, bah si on facilite un petit peu à monter rapidement, c'est vrai qu'il y a 11 niveaux, il faut quasiment 2 ans et demi avant d'atteindre le tout maxé hôtel de ville HDV11, troupes toutes recherchées, etc. Donc, ce qui me fait dire que ça va dans le sens où il est un petit peu en baisse, bah peut-être à la présence de Clash Royale ou même d'autres jeux, la concurrence étant féroce sur téléphone portable. Alors je sais que ce que je viens de dire là énerve plus d'un téléspectateur, spectateur, consultant de YouTube. Bref, vous quoi, ça vous énerve d'entendre voilà, que le jeu est un petit peu en baisse de popularité. Je le sais, on préfère l'inverse, hein, mais ça doit être dit. Allez, petite aparté terminé. On passe à ce qui nous intéresse le plus, la stratégie. Alors, premier changement, petit changement, qui concerne les HDV 8+. Et oui, ça commence que à partir de là, les changements réels. On a modifié les tours de sorciers qui vont être un petit peu plus solides, parce qu'ils se sont rendus compte que au départ, quand vous étiez petit hôtel de ville, je me rappelle de ça, les tours de sorciers, c'était une montagne, c'était puissant. C'est vrai qu'en HDV 9, 10 et encore plus 11, c'est du fétu de paille, c'est une tour comme les autres. Et ben ils ont un petit peu boosté leur point de vie. Honnêtement, à l'essai, j'ai pas encore senti la différence, mais je pense que ça se ressent réellement. Deuxième changement qui concerne les HDV 8+, toujours, puisqu'il y a une importante modification des Valkyries. Et oui, les petites étaient, il faut le dire, quasiment injouables. Et bien là, ça a été complètement revu, l'unité a été complètement transformé. En gros, on avait une unité qui avait quelques points de vie, mais qui était lente à attaquer, qui faisait pas de réels dommages. Et ben, zoup, ils ont baissé ses points de vie, donc elle tank moins qu'avant. Alors vous allez dire, oh, mon dieu, c'est horrible. Mais bien évidemment, ils ont compensé cela par l'augmentation considérable des dommages et quasiment une attaque instante, alors qu'il y avait un petit délai avant. Alors ça paraît rien quand on dit ça. Quand on lit le patch, ouais. Mais à l'essai, c'est énorme. Les Valkyries d'ailleurs, je pense, vont être complètement nerfées. C'est n'importe quoi, mais vraiment, ouais, il faut le dire. Ils l'ont transformé en unité la plus forte du jeu. D'ailleurs, les Valkyries, avant qu'elles soient patchées, je ne les avais pas recherchées. Et je pense que je n'étais pas le seul à ne pas l'avoir fait. Et ben là, ah, je m'en mords les doigts. Les Valkyries ont été patchées, ça devait arriver, ça se sentait. Oh, mais le patch a été extrêmement violent. Il faut voir les Valkyries comme des kamikazes, comme des escadrons de la mort. Genre, vous les envoyez à un endroit, cet endroit sera rasé en 2 secondes et demie. Voilà, place nette, les Valkyries, comme elles n'ont plus de points de vie, vont mourir. Elles n'ont pas vocation à raser toute la base, ça c'est vrai. Mais s'il y a un endroit extrêmement défendu, là vous pensez tout de suite Valkyrie et BAM!
Vous envoyez ça dans le tas, c'est strike. C'est le bowling, hein, c'est le boulevard. Pour les Valkyries, elles vont tout nettoyer avec une petite rage au milieu. C'est là pour l'instant la façon de les jouer. Peut-être qu'on va trouver d'autres façons, mais... waouh. Donc ça, c'était très important à dire, parce que là, ça va apporter du changement considérable. Hein. Introduire des Valkyries qu'on ne jouait pas, c'est plus le même jeu. C'est dit pour les Valkyries. Ensuite, changement à partir de l'HDV9, les Arc-X. En gros, les Arc-X, et ils ont raison, ne faisaient pas réellement beaucoup de dommages. Ils étaient surtout une tour de soutien, il faut bien le reconnaître. Ça apportait les petits dommages supplémentaires et ça tirait de tellement loin que c'était fort. Et ben là, c'est n'importe quoi, en quelque sorte. C'est carrément devenu super violent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en HDV 9 et 10, il va falloir réintroduire dans votre mental de façon de jouer que les Arc-X sont un énorme problème et qu'il va falloir les exécuter très rapidement. Donc il va falloir aller vraiment se précipiter sur ces tours parce qu'elles font très très mal à laisser, je peux vous le dire. J'ai bien senti le changement. On a l'introduction en HDV9 des Gobelins 6. Je passe dessus, c'est de la merde. Ça fait joujou, c'est pour le farming très bas niveau. Ça n'a sinon aucun intérêt. Et l'apparition aussi du Gobelin à l'HDV10 niveau 7. Bon, ça, on s'en branle aussi. On a aussi changé à partir de l'HDV9 d'énormes choses. 1. Les squelettes des sorcières ont perdu quelques petits points de vie, qui paraît insignifiant, mais en gros, avant, il fallait deux tirs de tours d'archer pour le dégommer, maintenant, il n'en faut qu'un seul. Ça veut dire que la sorcière pourrait mourir face à des tours d'archer, alors que la sorcière n'avait pas réellement de problème face à cela. Pareil, les squelettes ne déclenchent plus les bombes, ça veut dire que vos sorcières vont sauter dedans, alors que c'était les squelettes avant qu'ils les déclenchaient. Donc le grand intérêt du support de soutien des sorcières est perdu. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un énorme nerf des sorcières, vraiment. Et oui, ça c'est dû à la présence des sorcières 3 qui était beaucoup trop forte, malgré un petit nerf très rapide dans leur patch précédent. Eh bien, elles ont encore été nerfées, ces sorcières. Et je pense qu'elles ne vont plus être prépondérantes et peut-être à éliminer de vos compositions. HDV9, voire HDV10. Bon, les HDV11, il y a quand même la sorcière 3, donc ça reste bien. C'est ce que je pense, il faudra tester. Mais à mon avis, je vais fortement conseiller les joueurs de mon clan à l'enlever. Et je pense que vous allez faire de même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez faire des sorcières dans ces hôtels de ville. Ensuite, l'HDV10, c'est le gros gagnant de ce patch. Ou le gros perdant. En tout cas, celui qui va devoir tout changer à sa façon de jouer. À son niveau, il a les tours de l'enfer en tir multiple qui en gros sont plus fortes. Alors honnêtement, j'ai pas senti la grosse méga différence. Il paraîtrait qu'elle mettait un petit peu de temps à chercher les unités à cibler et que là ça va être instantané et donc ça les rend plus efficaces. Bah c'est toujours aussi violent les tours de l'enfer. J'ai pas senti de changement après test, mais mes petits tests ne sont pas suffisants. Donc je pense que les gros, très gros joueurs, les meilleurs joueurs que moi, l'ont peut-être quand même senti cette différence. Donc encore un HDV10 qui se complique à être attaqué, on dirait. Entre les tours sorts plus fortes, les Arc-X plus forts, les tours de l'enfer plus forts, ça fait beaucoup alors que beaucoup d'HDV10 souffraient. Dû surtout au manque de niveau de leur héros. Et bien là, je peux vous dire qu'en fait, il y a une petite compensation pour aider son attaque. Il y a l'apparition de trois choses. La première, les cochons niveau 6. Waouh ! Les cochons, je l'ai toujours dit sur cette chaîne là, et je pense que vous pensez tous la même chose que moi. C'était super cochon. C'était super fort, en gros les cochons. Et bien là, les cochons ont une amélioration. On s'y attendait pas trop, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que les cochons ne sont pas très populaires pour les HDV10 et les HDV11 avant le patch. Maintenant je peux vous dire qu'ils vont redevenir populaires parce qu'on savait que c'était une forte unité. Mais comme elle n'avait pas d'amélioration en HDV10 et en HDV11, elle devenait pas si forte que ça. Et ben là, je pense que ça va re-être popularisé. J'attends avec impatience de les avoir en main pour faire joujou avec. Donc c'est très très fort, il va falloir les rentrer dans votre composition. C'est certain, en même temps que les Valkyries. Autre unité qui a été encore changée, et ça c'est pas mentionné dans le patch, je ne sais pas pourquoi, c'est seulement dans les forums obscurs de Supercell qui a reconnaissance de cela, mais les guérisseuses ont été modifiées. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été écrit, ça c'est toujours comme ça, dans tous les jeux, il y a des petits changements de temps en temps qui... on ne sait pas pourquoi, ils sont là, mais ils ne sont pas mentionnés.
alors qu'on croit tout est mentionné. Et bien comme à chaque fois, ça n'a pas été mentionné, mais moi je peux vous le dire, les guérisseuses guérissent beaucoup mieux. Je pense qu'ils ont diminué le soin de la guérisseuse, mais ils l'ont rendu beaucoup plus fréquent. Les guérisseuses sont devenues très polyvalentes, que ce soit pour les petites unités, elles sont efficaces, tout aussi efficaces, voire plus efficaces sur les grosses unités. Je peux vous le dire, c'est plus efficace, donc les guérisseuses ont subi un boost. Alors on a envie de te dire, waouh, la Walking Queen, c'est incroyable, n'importe quoi. Mais non, parce qu'il y a eu deux changements là-dessus qui la concernent directement. C'est la traîne marcheuse et je pense qu'elle pourrait, à mon avis, peut-être légèrement, entre guillemets, disparaître. Je vous explique pourquoi. Deux choses à cela. Un, ils ont baissé de 30 secondes les batailles. Alors je ne l'ai pas dit au début pour la placer à cet endroit-là dans la vidéo, mais 30 secondes en moins, c'est considérable. Et il faut prendre en compte ce temps-là. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Mais les gaines guérisseuses avaient besoin de temps. Et là, si vous le diminuez, ça nerf automatiquement la reine. Dans le cululu, comme on dit. En plus de ce temps en moins pour la reine marcheuse, il y a surtout le boost des Arc-X qui la concerne. Oh my god! Si vous tombez sur les Arc-X au sol, c'est même pas la peine d'espérer de faire un bon Walking Queen, à part claquer un maximum de rage là-dessus. Mais là aussi donc, c'est un gros nerf. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que c'est encore des tests. Hein, tout ce que je dis c'est avec des grands guillemets, quand même, hein, ça demande du temps, de l'expérimentation. Mais les graines guérisseuses, elles en ont pris un coup dans l'aile. Et j'ai envie de te dire tant mieux, même si moi j'en étais un abuseur. Et bien cet abus est un petit peu terminé avec ce patch. Donc quand je vous parle de changements importants, entre des Valkyries qu'on jouait pas, qu'il va falloir jouer, des cochons qu'on ne jouait pas en HDV 10 et 11, qu'il va falloir rejouer, des reines guérisseuses qui étaient devenues systématiques en HDV 10 et 11, et voir si vous aviez une très grosse reine en HDV 9 aussi, c'était parti, c'était la fête de la maison, et ben là, ram, on rebat les cartes, on rechange, et enfin, nouvelle unité disponible en HDV 10, ces espèces de trolls, les boulistes là, qui tapent en zone, soi-disant, enfin, un peu en ligne droite, un peu en décalé, enfin, tel des boulistes, quoi, tu veux me dire. Je tire où je pointe. Bon, a priori, au premier test, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Voilà, ça a des points de vie, ça tape fort, mais ça n'a pas réellement de points de vie, ça tape pas réellement fort. C'est un peu une unité qui se voudrait autonome, pas réellement de support parce qu'elle coûte trop en population. Moi, je ne crois pas en cette unité. Évidemment, si cette unité, c'est de la merde réelle, je pense que Supercell va réagir au prochain patch et nous les booster et les rendre jouables. Mais pour l'instant, j'ai du mal à y croire. Voilà, je crois que j'ai cité tous les changements qui concernent les HDV 10. Et maintenant, passons aux HDV 11, uniquement aux HDV 11, hein, ceux qui ont la chance d'être là-dessus. Un seul petit changement pour eux, en gros, enfin, avec tous les changements d'avant. Hein. Hein, c'est d'accord, hein, on a l'impression qu'ils sont les perdants. Mais non, tous les changements que j'ai cités avant les concernent. Hein. Plus pour eux, un petit nerf du héros, le sort sera un petit peu moins étendu, ça va être regroupé sur lui-même. Ça paraît anodin, mais non, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il va falloir bien placer son gardien dans la masse et pas faire s'amuser à bah, envoyer toute la sauce et puis ça protège tout. Hein. C'était le cas avant, maintenant il va falloir un petit peu étudier son déploiement. Voilà, voilà pour les changements, voilà pour mes premières analyses, c'est pas fin, je vous l'avoue. Mais je pense que je vous ai donné des sources de réflexion et à vous de tester, à vous de trouver maintenant vos stratégies, voir avec vos coéquipiers ce que cela donne. Mais ceux qui seront le plus rapides à comprendre tous ces changements bouleversants, eh ben, seront les meilleurs. Voilà, cette vidéo est terminée. Et là, tout le monde m'a dit dans les commentaires, j'ai lu... Ouais, mais on s'attend trop à un bout à la fin et tout, machin et truc. Foule en plein milieu. Il y en a qui... Il y en a qui me tentent à faire des bêtises hein, sur cette chaîne. Eh bien, je ferai... Un... Bouh ! Serein et viril. Mais qui casse toujours tes oreilles. Allez, ciao.